vais vous donner du peps. Je me présente, je m'appelle Sabrina Nikish, je suis personal trainer chez Movement Chef et aujourd'hui on va travailler ensemble l'initiation à la boxe. Programme du jour, on va commencer par les échauffements, puis on travaillera sous forme de 5 rounds. Chaque round est compris prend 3 minutes sans temps de récupération. Une fois que les 3 minutes sont passées, vous avez droit à 2 minutes de récupération et on enchaîne pendant 5 fois. Une fois ceci terminé, on fera les étirements tous ensemble. Voilà, concernant le matériel, par contre, vous n'avez besoin de rien du tout, mais éventuellement deux petites bouteilles d'eau pour apporter un poids supplémentaire lors de vos coups, d'accord? Mais sinon, sans obligation. Ok, tout le monde se met en position, on va commencer par les échauffements, et puis de là, on commencera directement la session. On va commencer par 10 fentes arrière du même pied, et puis on switchera. D'accord, c'est parti, on se met en position, fente arrière et on y va pour 10. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de jambe, toujours une fente arrière, comme ceci, et c'est parti pour 10. Ok, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, parfait. Là, on part pour 10 squats. C'est parti, on écarte légèrement les jambes, comme ceci, devient droit, on part pour 10 squats. Go. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Là maintenant, on écarte toujours les jambes. On va faire une rotation au niveau du bassin, d'accord? On va aller dans le même côté. Là, on va partir du côté droit. On entre à 10, puis 10 de l'autre côté. C'est parti pour 10. Go! 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Même chose de l'autre côté vers la gauche. La roulette. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La même roulette, mais là, devant, arrière. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on repart sur la même roulette, mais cette fois-ci au niveau des genoux, comme ceci. Nous allons en faire 10 du côté droit, puis 10 du côté gauche. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, parfait. Là maintenant, on écarte les jambes comme ceci et on va chercher à vraiment poser le pied comme ceci. D'accord? On y va. On en fait 10. On commence dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Là maintenant, on va faire la main d'avant, mais cette fois-ci au niveau du bras, comme ceci. 10 fois en avant, 10 fois en arrière. Ok. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Roulette arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. L'autre maintenant, de l'autre côté au niveau du bras, roulette avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Roulette arrière. 1, 2, 3, 4, 5.
9, 10. OK. Double roulette, donc avec les deux bras en avant. Donc double roulette avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Roulette arrière, double roulette arrière. Et on y va. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, parfait. Là maintenant, on place les bras comme ceci. On monte et on descend, d'accord? Pour bien échauffer les épaules et les bras, c'est parti. Dans 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Là, c'est parti comme ceci, d'accord? Et on y va dans le même sens, 10 fois, puis dans l'autre sens. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dernière. Donc on change le bras. Même principe. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Dernière petite chose, on va juste échauffer au niveau des poignets, étant qu'on y est la cheville en même temps. Comme ça, on est sûr de ne pas se blesser et qu'on est parfaitement bien échauffé. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de jambe, toujours à genoux du poignet. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. OK, on va commencer le premier enchaînement. N'oublie pas que chaque round est de 3 minutes. D'accord? On travaille pendant 30 secondes, 30 secondes, 3 fois. D'accord? Sans s'arrêter. OK. Premier exercice qu'on va faire, ça va être simplement. Donc, j'explique au niveau des positions, au niveau de la boxe. D'accord? Vraiment, si vous êtes droitier, ce sera le pied gauche qui sera devant. Si vous êtes gaucher, forcément, ce sera le pied droit qui sera devant. On part de l'hypothèse que je suis droitière. D'accord? Donc, le pied gauche devant, comme ceci. Le pied droit légèrement décalé. On se tient comme ceci, d'accord? On met la garde au niveau des yeux, pas au-dessus, pas en dessous. On n'oublie pas que si on a l'adversaire, c'est ici, on doit pouvoir le voir, mais en même temps se défendre. Donc on les passe ici. La main droite près du visage et la main gauche un peu plus loin, d'accord? Le premier exercice, ça va donner quoi? Gauche, reviens. Droite, reviens. D'accord? On répète ensemble. Tout le monde se met en position, ça fait gauche, hop. Droite, reviens, d'accord? En mode rapide pendant les 30 secondes, ça va faire gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. OK. Au bout des 30 secondes, on change d'exercice. On passe plus sur du cardio. Et là, ça va être le jumping jack, mais alors là, devant, comme ceci, d'accord? Ça va être vraiment, on écarte les jambes, ça fait tac, 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 tac. Vous avez vu? On écarte les jambes, les mains rapprochées et on les lève. D'accord? Donc ça va être les deux enchaînements qu'on va enchaîner pendant 3 fois. OK. Prenez un petit coup d'eau. Hydratez-vous. D'accord? Parce que ça va être intensif et on y va ensemble. OK. Je répète juste le premier gauche-droite et celui-là. Super. Vous êtes prêts? Vous avez eu un coup? Parfait. On y va ensemble en position. On commence dans 3, 2, 1, c'est parti. OK, on attend le timer, petit souci. OK, 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 on relance. Super, c'est plus de temps pour vous. On y va dans 3, 2, 1, c'est parti, go. Allez, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Super, pensez à bien respirer. Et on y va. Vous avez vu? Au niveau des pieds, on bascule légèrement. Ça fait gauche, droite, gauche, droite. Super.
super. Allez, on est déjà à 4 secondes. C'est parti, on y va, on y va, on y va. Pensez à bien respirer. Super. Allez, on continue. On continue, on continue. Et c'est bon, on arrête. On est parti sur le jumping jack. Super. On continue, on continue. Pensez à bien respirer. On écarte bien les jambes. Ok. Nickel. Super, on ne s'arrête pas. Ok. Super. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et on lâche en face devant. Go. D'accord, on ne s'arrête pas, on continue, on enchaîne. Allez, plus que 2, 4 fois comme ça. Et puis on attaque les 2 minutes de récupération. Gauche, droite, gauche, droite. Super. Bingo. Allez, on continue, on n'arrête pas. C'est parfait. Allez, allez, plus que 3, 2, 1. Et on a son jumping jack. Nickel. Comme ceci. Pensez à bien écarter les jambes et bien monter les bras. Et surtout, regardez devant vous. On garde le même rythme. Super. Plus que 10 secondes. Plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on y va pour gauche-droite. C'est parti. Gauche-droite, gauche-droite. Super. Allez, on tient, on tient, on tient. Encore une fois. Et c'est fini. Super. On y va, on y va, on y va. Je parie qu'on va tous y arriver hyper facilement. Allez, go. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et on y va pour celui-ci. Stop. Allez. Parfait. Super. Allez, plus que 10 secondes. Pensez à bien respirer. Gardez bien le même rythme. 3, 2, et c'est bon. Wouh, pas mal du tout. Super, super. Là, vous allez avoir 2 minutes de récupération. C'est le moment de s'hydrater, de boire un petit coup d'eau. Et on peut aller traîner parce que sinon, ça va pas aller. Et on entame le deuxième groupe. Ok? En attendant, je vous explique quels seront les enchaînements. Et bien là, on va partir sur de l'hypercute. Toujours même principe, toujours même position. D'accord? On serre les poings. Seulement ici, ça descend du bas. D'accord? Ça fait gauche, droite, gauche, droite. D'accord? Comme ceci. On va chercher en mouvement plus rapide. Ça donne tac, tac, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ok, pensez bien, il y avait le même rythme. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième, alors forcément, on travaille sans matériel. On va s'imaginer une corde à sauter. D'accord, vous sautez comme vous voulez. Pendant 30 secondes, ça va donner comme ceci. D'accord, soit pieds joints, si vous préférez, ou alors un côté puis l'autre. À votre convenance, à vous d'adapter comme vous souhaitez. Cela dit, il vous reste 50 secondes de récupération. D'accord, pour recommencer le deuxième groupe. Comme je l'ai dit, vraiment, la corde à sauter, imaginez-vous la corde à sauter. C'est-à-dire que essayez même de faire le mouvement au niveau des poignets pour même travailler l'avant-bras. D'accord? Et on saute. Ok, super. Dans 30 secondes, on est parti. Nickel. Ouh, on se donne à fond. N'oubliez pas, 3 minutes, on ne s'arrête pas. Directement, on enchaîne. D'accord? Tous les exercices s'enchaînent successivement. Donc voilà. Vous avez bien assisté. Ok, on se met en position. On commence dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Go, on hypercute. Allez, on y va, on va chercher. On va chercher. Si on est à l'aise, on va même prendre les bouteilles d'eau, d'accord? Comme ceci. Super. Allez, allez, allez.
Plus que 15 secondes à partir de maintenant. On est déjà à la moitié. Go, 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 go. On va chercher. Super. Vous faites ça comme des as. On continue. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et on lâche. On part sur la colonne sautée maintenant. Comme ceci. D'accord? À votre convenance. N'oubliez pas. Préférez les joints. Libre à vous. On va pas jamais le gauche-droite qui déhanché. Ok, on y va. Super. Allez, on continue à tenir. Parfait, parfait. On passe déjà, celui-ci, on est déjà au deuxième. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et on lâche, on repart sur les vertus. Go, 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 go. On va chercher. Super. Allez, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas. Je me mets sur le côté. Super, on ne s'arrête pas. Allez, go, 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 go. Pense à bien respirer, garde bien le même rythme. D'accord? Super. Allez, parfait. Plus que 3, 2, 1. Et on passe à la colonne sautée, c'est parti. On saute et on respire. Pense à bien inspirer, expirer. Je vous le dis à chaque fois, on est très, très, très important. Super. Allez. Plus que 10 secondes. Plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on a sa place à l'hypercute. Go. Go, 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 go. On va chercher, on va chercher. D'accord, c'est trop facile, on prend des bouteilles d'eau. Pour rendre ça un peu plus complexe. Allez, c'est parti. Ouh, on le sent. Ça commence à brûler. Ok, encore 10 secondes. Et on part pour la corde à sauter. Dans 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on change. C'est parti pour la corde à sauter. Go. Super. Ok, n'hésitez pas à faire des variantes si vous voulez entre celui-ci, celui-ci, deux fois le pied droit, deux fois le pied gauche, corde à sauter, Ok, on continue. Le but c'est vraiment de ne pas s'arrêter, d'accord? Super, plus que 5, 4, 3, 2, 1, et on lâche, parfait. Début de récupération, moment d'hydratation, et on passe déjà au troisième round. Je sais pas vous, mais moi, pour ma part, ça passe hyper vite. Ok, j'explique le troisième pendant que vous vous récupérez, d'accord? Donc là, on a vu le gauche-droite. Alors maintenant, on va refaire un gauche-droite, crochet-gauche, d'accord? Je remonte doucement, ça donne gauche, reviens, droite, reviens, crochet-gauche. Super! Ok, on ne s'arrête pas, d'accord? Ça va donner ça. Donc, je répète en mode beaucoup plus rapide. Ça fait gauche, droite, crochet gauche et pas de crochet droit. Ok. Par rapport au deuxième exercice, c'est, là encore une fois, on est sur du cardio. Et le deuxième exercice, c'est squat, d'accord? Là, on part en squat comme on l'a fait en échauffement. On descend et on revient, d'accord? Super. Il reste exactement une minute de récupération et on ne s'arrête surtout pas. D'accord, c'est déjà le troisième. On sent qu'on commence à avoir chaud, mais on tient. Donc je répète le mouvement, je monte de profil cette fois-ci. Ça fait gauche, reviens, droite, reviens, crochet. D'accord, en rapide, ça fait gauche, droite, crochet. Gauche, droite, crochet, ok? Et l'autre en squat, tout simplement. Avec le squat, pensez bien à garder une bonne posture au niveau du dos, à bien descendre et on monte, ok? Super. On recommence dans 20 secondes. Ok. Super. Dans 10 secondes. Allez. Allez, je parie qu'on va y arriver. Les deux dans l'emmener. Ça va être hyper facile de faire en position. On commence dans 3, 2, 1. C'est parti. Gauche, droite, crochet. 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 Allez, on accélère. Gauche, droite, crochet.
squats. Go! On y va. Allez. Regardez bien devant vous. On descend bien. On écarte bien les jambes. On inspire quand on est en bas. On expire quand on est en haut. Super. Parfait. Super. On ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas. Allez, et c'est bon, on repart sur le gauche, droite, crochet. Je vais cutter cette fois-ci. Ok. Gauche, droite, crochet. Gauche, droite, crochet. Gauche, droite, crochet. Allez, on y va. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. On n'oublie pas. On ramène toujours bien les mains au niveau des yeux. On ne baisse jamais sa garde. D'accord? Au cas où son adversaire pourrait nous prendre au dépourvu. On y va, plus que 3, 2, 1. C'est parti, on part en squat. Hop. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Super. Allez, on continue, on continue. Parfait, vous faites ça comme des as. Bravo, vous arrachez. On lâche pas. Plus que 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, c'est parti, on y va pour le gauche, droite, crochet. Gauche, droite, crochet. Pa, pa, pa. Pense à bien respirer. Super. Nickel. Allez, plus que 10 secondes. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. On y va. Plus que 5. 4, 3, 2, 1. Et on lâche, on repart pour les squats, c'est parti. 1, 2, allez, on y va. Super. Allez, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas. Vous aurez tout le temps de récupérer. Plus que 10 secondes. Inspirez. Expirez, de 5, 4, 3, 2, 1, et on lâche. Eh bien, je ne sais pas vous, je ne vois vraiment pas le temps passer. Des minutes de récupération, vous connaissez la chanson, on est déjà au quatrième round. D'accord? Quatrième, l'avant-dernier, il ne restera plus qu'un. Ok, là on part sur l'enchaînement, c'est donc toujours même position, même mouvement, ça va donner gauche. Droite, crochet, crochet. D'accord, je monte le profil, ça me fait gauche, reviens, droite, reviens, crochet. D'accord, super, ça c'est au niveau de l'enchaînement. Et au niveau du cardio, là on va faire le tap, tap, tap. Ok, c'est quoi le tap, tap, tap? C'est ma version. Ça donne, ça fait tac, 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 tac. On va chercher. En fait, les pieds touchent, on va toucher les fesses. D'accord? Pour ne pas vous faire mal, pensez à mettre vos mains comme ceci, bien derrière. Et ça donne tac, 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 tac. Et on va chercher. D'accord? Pendant les 30 secondes. Super, dans 50 secondes, on s'y remet. Plus que 50 secondes de récupération, on y va. D'accord? Ok, pensez bien à avoir un tout petit coup d'eau pour s'y remettre, pour être en forme. Et on attaque le quatrième. Super. Vous avez vu qu'on y arrive. J'avais même pas besoin de parler que vous allez y arriver. Vous êtes arrivé, j'en suis sûre. Ok. On recommence dans exactement 20 secondes. Ok. Donc je répète juste vite fait avant de commencer. Donc ça fait gauche, droite, crochet, crochet. D'accord? Et au niveau de... cardio, le tap, le tap, le tap. Super, on se met en position. On commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. C'est parti. Gauche, droite, crochet, crochet. Ok? Gauche, droite, crochet, crochet. On y va. Gauche, droite, crochet, crochet. On accélère. Gauche, droite, crochet, crochet. 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 Allez, on accélère. Plus que 10 secondes. Gauche, droite, tac, tac. On y va. Tac, 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 tac. Gauche, droite, crochet, crochet. Gauche, droite, crochet, gauche, crochet, droit. Gauche, droite, crochet, gauche, crochet, droit. Ok, on y va pour le tap, tap. C'est parti. On va
loin possible. Ok. Et t'es bien bon, hein? Super. Parfait, parfait. Gardez bien la même cadence. On y va. Plus de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour l'enchaînement. Gauche, droite, crochet, gauche, crochet, droite. 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 Allez, on continue. Parfait. Tac, 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 tac. On lâche pas. Pac, 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 pac. Super. Nickel. On passe au tap, au tap. Allez. On va bien chercher. On essaie de toucher. Parfait. Plus que 10 secondes. Allez, 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 go, 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 go. On va chercher. Parfait. On y va. On y va sur le gauche, droite, crochet, crochet. Vous avez vu au niveau des jambes? Ok. N'oubliez pas, on ramène toujours bien au niveau des yeux, d'accord? La garde très importante. Forcément, si quelqu'un nous attaque et qu'on n'a pas de garde, alors vous avez compris le résultat. On va recevoir un coup sur le visage. Chose que je ne voudrais pas, on y va. Ouh. Gauche, crochet, droit. Super. On tape. On va chercher. Allez, c'est le troisième. Ouh. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Go. Parfait. À partir de maintenant, plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on lâche. Parfait. Ouh. Là, on y va pour le dernier, d'accord? J'étais hyper sympa, d'accord? Juste en enchaînement, on va enchaîner tout ce qu'on vient d'apprendre, d'accord? Donc ça va donner position, ça donne gauche, droite, on revient, droite, revient, crochet, revient, crochet droit, revient, hypercute, revient, hypercute, d'accord? Ok. Je recommence le mouvement de profil, il vous reste exactement 1 minute 20 de récupération. C'est parti, ça fait gauche, droite, crochet, crochet, hypercute, hypercute, d'accord? Tac, 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 ok, ça c'est au niveau d'enchaînement. Le dernier, ça va être position squat, comme ceci, d'accord? Et là on va lever, 1, 2, descend, descend, je répète, on lève. Le pied droit, ça fait hop, pied gauche, dépose, reviens, constamment. Et on reste en position squat, c'est un gainage de squat avec des levées de talons pour bien travailler les mollets, justement comme on a fait un peu la sauter à la boxe au niveau des déplacements, très très important, il faut être agile pour être très rapide quand l'adversaire est là. Ok, super, on continue, dans 30 secondes on s'y remet, d'accord? N'oubliez pas l'enchaînement. Gauche, droite, crochet gauche, crochet droit, hypercute, hypercute, deux hypercutes. C'est ce qu'on a fait au deuxième groupe. Là, on y va pour le dernier, vous allez à fond. À fond, à fond, à fond. Et après ça, je vous laisse tranquille et on passera aux étirements. Ok, on y va. On commence dans 7, 6, 5, 3, 2, 1. C'est parti. Gauche, droite, crochet, crochet, hypercute, hypercute. Ok. Gauche, droite, crochet, crochet, hypercute, hypercute. C'est parti. Gauche, droite, crochet, crochet, hypercute, hypercute. Prenez votre temps, pas de soucis. D'accord? Ça fait. Gauche, droite, crochet, crochet, hypercute, hypercute. Gauche, droite, crochet, crochet, hypercute, hypercute. Ok. Gauche, droite, crochet, crochet. Tac, 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 tac. Allez, on continue. On accélère et là on passe, ok, comme ceci au squat. 1, 2,
Parfait. Vous allez bien sentir au niveau des fessiers, au niveau des quadriceps, au niveau des ischios et au niveau des mollets. Le meilleur toujours pour la fin. Ok. Lève, lève, dépose, dépose. Lève, lève, dépose, dépose. Lève, lève, dépose, dépose. 3, 2, 1. Et c'est parti pour l'enchaînement. Go. Gauche, droite, crochet, crochet, hypercute, hypercute. Tac, 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 hypercute, hypercute. Gauche, droite, crochet gauche, crochet droit. Hypercute gauche, hypercute droit. Gauche, droite, hypercute. Ok. Gauche, droite, crochet, crochet, hypercute, hypercute. Gauche, droite, crochet, crochet, hypercute, hypercute. Super, par position squat. Lève, lève, tac, tac. Lève, lève, dépose, dépose. Lève, lève, dépose, dépose. Ouh. Allez, continue sur le même rythme. C'est le dernier, d'accord? C'est le dernier, je veux qu'on ne s'arrête pas. C'est le dernier round. On a fait les 4 plus gros. Lève, lève, dépose, dépose. Lève, lève, dépose, dépose. Plus 5, 4, 3, 2, 1. Et on laisse le pas sur l'enchaînement. C'est parti. Gauche, droite, crochet, crochet. Tac, tac. Gauche, droite, crochet, crochet, hypercute. Gauche, droite, crochet, gauche, crochet, droit, hypercute, gauche, hypercute, droit. Super, allez. Vous faites ça comme des pros, comme des as, c'est parti. Gauche, droite, tac, et c'est parti, on squat, on dépose. Lève, lève, dépose, dépose. Lève, lève, dépose. Lève, lève, dépose, dépose. Super, on sert bien à respirer, d'accord? On sent qu'on a bien travaillé, mais on lâche pas. C'est le dernier round et après ça, je vous laisse tranquille. Super, lève, lève, dépose, dépose. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on lâche. On s'applaudit. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, vous avez fait ça comme des as. Je suis persuadée que vous n'avez pas lâché. Je sais très bien que tellement t'es grand, on a bossé tous ensemble et que c'est génial. Super. Ok, là vous allez vous hydrater. D'accord, je ne sais pas vous, mais moi j'ai très très bien travaillé. Là, on va passer aux étirements, d'accord. On va chercher le tapis, histoire de commencer les étirements. Et voilà, on va vous mettre une musique beaucoup plus relaxante. Là, ce que je veux, on va prendre 1 minute 30, d'accord? Où on va laisser tout redescendre, toute la dynamique qu'on vient monter. Eh bien, on va laisser bien la descente pendant 1 minute 30. Et de là, bien sûr, on va s'étirer. Ouh! Ok, laissez-vous aller, fermez les yeux, pensez à rien, faites le vide autour de vous, pensez à bien inspirer, expirer. Thank you.
Parfait. On va commencer par étirer le dos. D'accord. Vous mettez comme ceci. On dépose les fesses, mais pas entièrement sur les pieds. On tend les bras et on regarde devant soi. D'accord. Ça va être pendant 30 secondes. À chaque fois que je vous dirai, vous changerez de position. D'accord. Ok, je mets mon petit timer. Ok, c'est parti. Super. Là maintenant, on dépose les fesses sur les pieds et on reste comme ceci. C'est vraiment le moment où on se laisse complètement aller. Super, on change de jambe. Étirez forcément le haut. On se met comme ceci, d'accord. Hop. Alors, on va mettre le bras tendu par là, d'accord. Et alors, la jambe gauche va aller se déposer derrière. Et vous allez voir qu'au niveau des épaules ici, ça va tirer. D'accord. Comme ceci, c'est parti. Et puis, on changera de côté. Super, vous sentez bien au niveau d'épaule. Parfait. Ok, on change de côté, comme ceci, on prend le bras, et alors avec la jambe droite, on va chercher derrière. C'est parti.
Ok, on change de bras. Là maintenant, le dernier, on va toujours étirer les bras, même principe, bras tendu avec la main opposée, on va chercher au niveau du coude et on tire vers soi. On change de bras. Bravo, bravo, bravo! Applaudissez-vous, vous avez vraiment bien bossé. En tout cas, j'espère que vous êtes contents. N'hésitez pas à liker, à partager, à venir. On se rejoint pour d'autres nouvelles sessions. J'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas qu'avec Circus, tout peut arriver. Je vous fais plein de gros bisous. J'embrasse très fort et à très vite. Ciao, ciao!